واجب الحاجة يكون يحاسب حاجة ما وتفهم ما الحاجة ديال القراية وراح تغوري نفرح ما قدينا نفرح نفرح بس كنا فا وانا غي سملن دفريد فهما غامي J'ai eu du mal à revenir à Tizi Ouzou. Vraiment, j'ai eu du mal à dire que je ne suis pas revenue. Je suis revenue l'année dernière, quoi. Je veux dire, 9 ans après. Je me disais, mais Taous circule dans les rues de Tizi. Farida circule dans les rues de Tizi. Farida, elle circule 3 ans à la maison. Voilà, 3 ans. Je disais qu'elle ne pouvait pas monter dans le bus, pouvait pas. Quand elle sortait en ville, elle me faisait. Tu te rappelles les crises de panique que tu faisais? 3 ans, je ne suis pas sortie. Il suffisait qu'il y ait plus de 3 ans. Je te jure, 3 ans, je ne suis pas sortie. C'était le délire. Ouais. Vraiment, c'était. Tout le monde pensait qu'il était sur une liste, qu'au point où des gens disaient oui, c'est vrai que j'allais aux réunions de TRL, mais moi, je n'étais pas. Vraiment, avec les gens se justifient en se disant moi, voilà. Je n'étais pas trop impliquée. J'allais juste jeter un coup d'œil. Ouais. Je me rappelle quand vous deviez récupérer les affaires. La liste des femmes, les numéros. C'était la panique. Je me rappelle de la tension qu'il y avait à la maison. C'était pas nécessaire, mais c'était la panique. On avait récupéré toutes les listes, les cartes d'adhérentes. On avait peur que. Parce qu'après, on savait plus. On avait peur que le local soit défoncé, que les listes tombent entre les mains. Je sais pas qui. Parce qu'il y avait des noms. Bien sûr, il y avait la liste des adhérents. Ouais. On les a récupérées le soir, les cartes. Je me rappelle très bien. On les avait mis sous le lit à papa. C'était dangereux encore, hein, puisque après c'était toute une série d'assassinats. Tu sais. C'est vrai que moi j'ai des trucs que j'ai complètement oubliés. J'ai complètement des tranches qui ont disparu. Mais elles ne sont pas beaucoup revenues non plus. Hein. Ça veut dire que c'est pas encore fini. Mais je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, hein, je sens que je n'ai pas encore. Exprimer réellement, comme je voudrais exprimer, la perte de Nabila. Elle était là financièrement pour nous. Hakima et moi, elle nous avait prise en charge complètement, nous donnait de l'argent de poche, etc. Et moi, dans ma tête, je me disais, dès que je vais avoir mon diplôme, je vais pouvoir avoir les moyens de la gâter, de lui acheter ceci, de lui acheter cela, de lui faire à manger. Et là, je réalise que je n'ai même pas eu l'opportunité de lui dire. Il y a des moments où je me dis peut-être qu'elle savait pas que je l'aimais autant. Mais là-bas, les gens, la douleur, j'arrivais même pas à capter le regard de Hakima, à capter aucun regard. Personne ne pouvait soulager personne. Tout le monde était avec une douleur atroce dans l'âme. On était comme des fous. Tout le monde essayait de trouver un réconfort quelque part. Il n'y en avait nulle part. C'était atroce. De toute façon, pour moi, Tizi Khlas porte l'odeur de la mort. Ça portera éternellement l'odeur de la mort. Le 15 février 95, je faisais la marche du Satef. Ah oui, ça restait la manifestation. Pratiquement tous les enseignants sont descendus des villages. Et puis au milieu du parcours, on commençait à entendre une certaine...